Pour sa seconde année en qualité de démonstrateur, il a proposé d'orner son avion d'une vipère verte en hommage au nom guerrier donné à cet avion, le F-16 Viper. Mesdames et messieurs, à vos caméras et autres téléphones portables, amateurs de sensations fortes, vous voilà servis au décollage du F-16. We'll be right back.
Casser la vitesse à l'issue d'une figure pour finalement revenir en tonneau, voilà ce que ça donne quand on a plus de 5000 heures sur ce chasseur. Si vous regardez attentivement, vous verrez que sur la profondeur de cet avion, on remarque deux drapeaux. Le drapeau belge d'un côté et le drapeau français de l'autre. Les deux pays dans lesquels il effectue le plus de meetings aériens cette année. To break down the garden gate, there's not much time left today. Les airs au frein pour casser la vitesse, le train d'atterrissage, lui, est sorti. On est dans une plage de vitesse qui nous permet de le sortir sans l'endommager. Et d'ici quelques secondes, on va revenir se poser ici, sur votre gauche, sur la piste du Bourget. Mesdames et messieurs, c'était le commandant De Vries, d'Ivriski, pour sa présentation solo display. Les forces aériennes belges vous saluent. Et pendant ce temps, un FU-4 Corsair va s'aligner. Un avion, le Corsair, un pilote, Baptiste Salis. Depuis quelques décennies, il a des...